infectant et Helghast prend fin en quelques secondes. Cela devient le Terracide. 1 milliard de morts tués par les incendies de Petrusite qui ravagent la surface d'Elgan. La transformant en simple rocher sans vie. Les jours suivants, une trêve précaire est négociée. Elle finira par déboucher sur un accord. Les survivants vont trouver refuge sur un autre monde. Vecta, la terre de ceux qui ont provoqué la destruction d'Elgan. La moitié de la planète est attribuée aux survivants, tandis que les Vectans qui vivaient là sont sommés de partir. Ce n'est plus leur territoire. C'est New Elgan. Uniquement le nécessaire. Écoute, je sais que c'est difficile, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons aller au mur. Nous serons en sécurité de l'autre côté. Je vais veiller sur toi, mais tu dois me rendre l'appareil. D'accord? Tu vas être mon commandant en second. Allons-y. J'arrive, papa. Ok, ouais, salut le Zozo, c'est Parano. On se retrouve enfin sur cette next gen, sur ce Killzone Shadowfall. Donc je vous avais promis du lourd. Franchement, je vous remercie pour votre patience. Hey, oui, mon commandant second. Il arrive, ton commandant, mon frère. Je vous remercie pour votre patience. Franchement, ça fait grave plaisir. On se retrouve. Je vous l'avais promis, une sale intro. Elle est là. Je vous avais promis un nouveau jeu. Il est là. Une nouvelle console, la PS4. Et une nouvelle résolution. Donc le 1080p, je vais essayer de le mettre en plus grosse résolution si je peux. On se retrouve direct plongé sur Killzone Shadowfall. Donc le jeu de lancement, le jeu de line-up de la PS4 avec Knack. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis juste un petit peu choqué du visuel, des graphismes du jeu. Je pense qu'on va reparler tout le long, on va pas s'attarder sur les quelques premières secondes de jeu. Juste, je voulais vous montrer quelques petits trucs. Alors, pour info, j'ai déjà commencé le jeu. J'avais déjà record 3-4 vidéos et j'avais eu énormément de problèmes. Du coup, j'ai dû attendre ma carte d'acquisition que je viens de recevoir aujourd'hui. Et là, c'est bon, tout se passe bien. Et franchement, ça fait grave plaisir. Regardez-moi ça, cet hologramme et tout, il est trop bien fait. Par contre, on est parti pour une nouvelle intégrale. Vous savez, les oiseaux en mode walk machine. Si vous pensez que je suis une personne qui rush les jeux, qui file tout droit, vous êtes trompé de chaîne, de série, etc. Les oiseaux. Oh putain, la petite manette en passant. Je suis une personne qui aime bien regarder les petits détails en plus sur la next gen. Donc franchement, je vais m'attarder sur plein de petites choses. Je vais pas commencer à faire le comparatif entre la Xbox et la PS4. Pour moi, ces deux consoles se valent. Voilà, il n'y a pas de guéguerre ou quoi que ce soit. Tant que t'en es une, tu as la Xbox ou la PS4, tant mieux mon frère. Et si tu joues sur PC, tant mieux, c'est encore mieux pour toi. Donc écoutez, franchement, ça me fait grave plaisir. Enfin, ça y est les gars, on y est. Il est exactement 3h39 du matin, comme d'habitude, en mode Nocturnal Birds. Et on est parti direct, on suit papa. Salut. Par ici, vite. Donc je passe pas beaucoup parler, surtout sur les quelques premières minutes de jeu, après on parlera tranquillement. On continue. Le visage est super bien fait, franchement les expressions du visage, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, pour moi c'est juste une démo technique, hein. Je vais dire entre guillemets, ce jeu c'est pour nous montrer ce que réserve les jeux sur PS4. Wow. Tout va bien se passer Lucas, c'est promis. C'est temporaire. On
Ici, c'est Vecta. C'est chez nous. Et ce le sera toujours. Ne l'oublie pas. D'accord ? Allez, pas un bruit et reste dans l'ombre. C'est parti. Voilà, quand je vous parlais du visage, des expressions du visage, c'est justement de ça que je vous parlais. C'est vraiment énorme. Écoutez-moi les bruits. Oh putain, oh putain. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du jeu en lui-même, parce que... Bon, attends ici, ne bouge qu'à mon signal. Vas-y papa. C'est toi le plus fort, c'est toi le plus fort papa. Vas-y. Non Lucas, allez, on y va. D'accord, papa. Allez, Lucas, maintenant. Comme je vous ai dit, je parle pas énormément, c'est juste que je veux vraiment vous plonger dans l'ambiance. Juste avant de démarrer, je voulais vous dire que personnellement, je n'ai jamais joué à Killzone de ma vie. Je crois avoir testé le 3 en démo, mais ça m'a pas plus marqué que ça. Je vais rentrer ma gueule. Juste pour vous dire que pour moi, c'est le premier de la série, donc je ne connais pas trop l'histoire. Je me suis mis un petit peu dans le jeu, on va dire, par rapport à ce que j'ai joué. Et à cette fameuse cinématique d'intro où ils nous montrent que les Algastes ont pris la terre d'assaut. Quoi, ils récupèrent leur jus tout simplement. Et on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer dans ce Shadowfall. Merci. C'est votre fils ? Je l'amène au mur. Je crois que vous allez avoir besoin d'aide. Vous êtes un Shadow Marshal, non ? Pourquoi les Algastes font-ils ça ? Il y avait un accord. Nous devions avoir un sauf-conduit pour quitter la zone. Hé, mon vieux, moi aussi ça me déplaît. Mais tant que vous serez pas au mur, c'est eux qui commandent. Comme je disais, vous allez avoir besoin d'aide. Vous pouvez nous emmener au mur, sain et sauf. Le passage sud est fermé. Il faut emprunter un itinéraire long. On a perdu assez de temps comme ça. Quel est votre nom ? Sinclair. Je m'appelle Michael Kellan. Voici mon fils, Lucas. On va ressortir. Reste près de moi et ne fais aucun bruit, d'accord ? Tu fais du super boulot. Je vous fais confiance. Ton père est intelligent, petit. Allons-y. Bougez-vous. Jamais pas vos affaires pleurantes sur la route. Dépêchez-vous, bougez. Restez ensemble, continuez à avancer. La Qu'est-ce qu'il y a ? Continuez à avancer. La porte est coincée. Bon sang. Quelque chose la bloque. Il y a un trou dans le toit. L'un de nous pourrait s'y glisser, passer de l'autre côté et débloquer la porte.
faut y aller. Trop tard pour faire marche arrière. Je m'en charge. Il est le seul à être aseptique pour passer par là. Allez! Une fois que tu seras là-haut, reste caché et va droit jusqu'au trou, d'accord? D'accord. Ça a l'air d'être un bon gamin. Il a toujours fait les choses à sa manière. Plus de courage que bien des adultes ici. Je vais juste prendre deux petites secondes pour parler un petit peu de... Ben, des effets, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont vraiment rushé le jeu et qui n'ont pas pris le temps de regarder quelques petits effets. C'est vrai qu'au niveau de l'eau déjà c'est super bien fait, et même au niveau des éclats électriques, je trouve ça vraiment très réussi. Après c'est vraiment les débuts des consoles. Lucas, on n'aurait pas réussi sans toi. Allons-y. Restez baissés. Donc c'est quelque chose qui me fait vraiment vraiment plaisir, tous ces effets, ces particules et tout ça là, ces petits effets de câbles électriques, l'eau, c'est quelque chose que je regarde énormément sur les jeux et tout. Et franchement je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Regardez-moi ces effets lumineux et tout ça avec le. Je pense que ils ont beaucoup misé sur les effets de projecteurs, les lumières. En tout cas c'est réussi pour moi, pour ma part en tout cas. Avec votre conscience quand on s'est passé. Allez, le mur n'est pas loin. Ouais, je pense qu'il a eu raison. Il a eu raison, papa, t'inquiète. La grande nouveauté aussi sur ces nouvelles consoles, c'est le 1080p. Le soi-disant 1080p, alors certains diront que c'est pas du vrai, certains diront que sur certains jeux, sur certaines consoles, etc. Ouais, je trouve ça vraiment magnifique. En tout cas, les détails sont vraiment, vraiment super bien faits. Là. Ils ont vraiment poussé le truc à fond. Alors après c'est que les premiers jeux, on va voir ce que ça va donner par la suite. Pour le moment on se laisse guider, on en parlera je pense tout le long de l'histoire. On y est presque, mais il faut rester prudent. On nous a promis un sauf-conduit. Par pitié, j'ai mon fils ici. On n'est pas armé. Arrêtez. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit. Ici, c'est aussi chez nous! Non! Qu'est-ce que je vais devenir? Je crois que tu vas devoir rester avec moi, petit. Allez. Tu t'iras bien une fois qu'on sera de l'autre côté du mur. En route. Jeune cadet admis dans l'académie des Shadow Marshall. Tu peux être fier. Si ton père était vivant, il serait fier de toi.
Notre peuple désire uniquement la sécurité. Nous allons devoir attaquer les Helghast. Pour cela, il faut franchir le mur. Quoi qu'il fasse, cette zone restera Vecta. Un jour, tu la reprendras. Pour nous tous. Ta présence honore le programme Shadow Marshall, Lucas. Tu sais où tu dois aller. Et tu sais ce qui arrivera si tu es capturé. Enchaîné, tu seras conduit sur le mur. Un sac sur la tête. Exhibé. Humilié. Puis exécuté. N'a pas idée à quel point cette situation nous répugne. En train de vivre ici, côté des destructeurs de notre planète. Et il y a les gens comme toi, Lucas Kellan, qui nous jugent et qui nous traitent comme des criminels. Ne sauvera pas Shadow Marshall. Nous le franchirons et nous prendrons le reste de ta ville. Et c'est... ça ne sera pas aussi facile cette fois. Suprême de Damera Vissari, et en vertu du 8e article de la Convention de paix, nous autorisons la libération et l'échange de tous les prisonniers, ainsi que leur restitution immédiate. Pas les infos que j'ai, les données sont éloquentes. Ils ne sont pas d'accord. Monsieur le ministre, nous allons devoir les convaincre. Je dois vous laisser, excusez-moi. Bienvenue chez toi, Lucas.
Merci, chef. Content d'être là. Les troupes apprécient peut-être ton geste, mais tu n'as pas été malin. Tu es trop important pour cette opération. Bon sang, tu es trop important pour moi. Je n'avais pas le choix. Seule ma capture pouvait permettre la libération de ces hommes. Heureusement, on avait une monnaie d'échange. Qui était-ce ? Son nom de code est Echo. La chancelière Visari tenait à la récupérer. Au-delà du fait qu'elle est hybride, on ne sait rien d'autre. Je vais te montrer quelque chose. En tant que dirigeante de New Elgan, je refuse... J'imagine que t'es au courant. Nous devons veiller sur... Les négociations ont été rompues il y a plusieurs jours. Le gouvernement fait durer en recherchant des options. Inutile de te dire qu'il n'en trouvera pas. Depuis quand on compte sur les politicards ? T'as pas tort. Je sais que je t'en demande beaucoup après ce qui t'est arrivé, mais j'ai besoin de ton aide. On est au bord du gouffre, Lucas. À la moindre erreur, nous sommes finis. À votre disposition, chef. C'était une mission de recours de l'autre côté du mur. Infiltration des transmissions militaires, mouvement de troupes, logistique. Il nous faut des preuves concrètes et alors on pourra frapper. Que s'est-il passé ? On l'ignore. C'est arrivé il y a 2 heures. Depuis, plus rien. Je veux que tu interviennes. Contacte-moi quand tu auras trouvé l'équipage et les infos. Les Helghast savent qu'on était là et on veut juste limiter les dégâts. On ne peut laisser aucune trace. Je compte sur toi pour faire le ménage. Tu sauras quoi faire. Yep. Ok, donc c'est parti, après 25 minutes de cinématique, d'intro on va dire. On est lancé, bel et bien dans le jeu, ça y est, on se retrouve en petite mission d'infiltration pour commencer, quoi, une petite mission d'infiltration, puis d'extermination, on va voir, il faut plus... Faut plus qu'il reste de traces. Alors c'est quoi la touche? D'accord, follow the way. Ok. Qu'est-ce que ce bruit? Pulsar, ici Shadow 1-8. Je suis dans le complexe. Bien joué, 1-8. Trouve et récupère ton paquet haut et armement. Bien reçu. Alors on va encore un petit peu s'arrêter au début sur les petits effets qu'ils nous ont mis pour nos petits yeux. On va regarder un petit peu tout ça. Ça pète un petit peu de tous les coins. Hop, un petit bug. J'ai un petit truc vert et violet là-bas. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est exprès. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est vraiment très joli. Il y a rien à redire sur ça. Après sur ce qui est de l'histoire du gameplay, personnellement je vous l'ai dit, je ne sais pas si les précédents Killzone étaient comme ça. J'ai cru comprendre que ben, on avait détruit leur planète et que ça, ils n'étaient pas très très contents. Attends-toi une résistance ennemie. Utilise ton écho tactique pour repérer les menaces. Sois prudent, 1-8. Pulsar, terminé. Donc on va commencer petit à petit à se servir des gadgets qui nous sont proposés. Et on commence directement par ce petit gadget qui est une sorte de radar. Et c'est vraiment très très pratique, voire très cheaté. Mais je m'en plains pas, franchement je trouve ça vraiment pratique. Personnellement j'ai déjà regardé, comme je vous ai dit, des gameplays sur certaines personnes américains ou français jouant au jeu. Et des fois je me tirais les cheveux quand je voyais des personnes jouer. La première fois que j'ai regardé le gameplay, je me suis spoilé direct. Parce que je voulais vraiment voir ce que valait le jeu et savoir où je mettais les pieds. Et je pense que c'était un minot de 12 ans qui venait de recevoir sa PlayStation 4 en Amérique, qui a fait direct un gameplay dessus histoire de se taper des vues. Et le mec, j'avais l'impression que c'était la première fois qu'il jouait à un FPS. Et je vous jure, j'ai failli casser ma télé. Du coup, j'ai pu regarder à la suite. Regardez-moi ça. FPS, c'est pas non plus. Vous jouez pas à un MMO, un truc. Y'a rien de super compliqué.
quand vous voyez que des personnes arrivent à se perdre dans un délire comme ça, c'est vraiment choquant. Donc le petit point négatif que j'ai à redire, c'est vraiment au niveau du saut là, le personnage a l'air vraiment lourd. Au niveau du gameplay, pour ce que j'ai vu, ça ressemble un petit peu à du Crysis. Alors excusez-moi si c'est un châtiment ou je sais pas, ça serait plutôt, je pense, plutôt, comment dire, satisfaisant ou plutôt méritant, ou je sais pas comment on pourrait dire en fait, mais c'est vraiment pour le mettre en valeur. Je trouve que le gameplay de Crysis, le personnage est assez lourd et tout, et c'est assez similaire. Donc si on reste appuyé sur la touche en haut, ça nous mène l'objectif. Je pense que pas mal de personnes vont me demander par la suite, qu'est-ce que tu penses des consoles, pourquoi tu as pris celle-ci, pourquoi tu as pas pris celle-là. Je pense faire une vidéo pour parler de ça, des comparatifs entre guillemets, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà fait, les sites ont fait beaucoup de comparatifs. Je pense que je parlerai plus de la manette tout au long de ce gameplay. Une manette que je commence un petit peu à tâter, même si ça fait une semaine je crois que j'ai la console. Donc personnellement moi elle me gêne pas plus que ça. Après dire si elle est meilleure que la Xbox ou qu'elle est moins bien, vous savez, ça c'est on chipote, on va dire, voilà, c'est du chipotage. Moi personnellement, tant que j'ai une manette, j'ai une console, j'ai un jeu, après le reste je m'en fous complètement. Après c'est sûr que les gens aiment bien critiquer, aiment bien parler, ça fait du buzz, ça fait style, ouais elle est plus ergonomique, elle est plus, qu'est-ce qu'on s'en fout mon frère, oh là là. Surtout que dans pas longtemps ils vont sortir des manettes où tout le monde va avoir des manettes personnalisées pour jouer à des Call of Duty sur PS4 ou sur Xbox One. Par contre ça je trouve ça un petit peu dommage, après chacun ses goûts. Acheter une console Xbox One pour jouer à FIFA 14 ou pour jouer à Call of Duty ou même sur PS4. Après ça regarde que moi. Regardez-moi ça, je trouve ça super bien fait. Franchement c'est juste hallucinant. Donc vous inquiétez pas, je vais pas non plus m'arrêter toutes les 5 secondes sur les cadavres. Je vais juste m'attarder un petit peu sur ça en début de game pour vraiment vous montrer un petit peu les détails du jeu, surtout qu'il sera filmé en 1080p. Et je veux vraiment que vous preniez plaisir à regarder ce gameplay. Voilà, j'essaie d'être le plus professionnel possible. Même si vous me connaissez, je suis un petit peu voilà quoi, c'est parano les oiseaux. Donc vous savez que je suis un petit peu un mec à la One Again et les Beast to Fly. Je suis là, je balance comme je le sens et... D'accord. Et voilà quoi, tranquillou. On va un petit peu tourner, je sais plus s'il y avait quelque chose. Je sais qu'il y avait des comic books que j'ai récupérés lors des parties précédentes. Je crois qu'ils ne s'affichent plus vu que je les ai déjà récupérés une fois. D'accord. Par contre, le petit point sur le jeu, vu qu'il a l'air pas si long que ça, je pense pas faire des vidéos d'une heure et demie comme je faisais habituellement, ou d'une heure. Je pense faire des vidéos de 40 minutes maximum, grand maximum. Ouais, je pense. Après, on verra comment ça se passe. C'est vrai que je dis toujours des trucs comme ça, mais je tiens jamais mes... je tiens jamais mes... putain, je trouve pas mieux. Bon, franchement, je suis fatigué, les oiseaux. Désolé. On verra si j'arrive à faire 40 minutes, si ça dépasse un petit peu, on est dépassé par les événements, c'est pas grave. Alors la petite phase que je kiffe bien, qui me fait rappeler Far Cry, cette petite phase au lancer de couteau, j'ai beaucoup soudé Far Cry 3 et c'est vrai que j'adorais faire ça. Et ça m'a fait penser un petit peu à Far Cry 3. Alors regardez juste ce petit effet du couteau, cette lumière, le reflet sur le couteau, je trouve ça magnifique. Je vous dis franchement, j'ai été déçu de pas mal de personnes, autant français qu'américaines, qui jouaient sur des jeux, sur des next-gen, et qui s'arrêtaient pas sur ces genres de petits détails. Après, peut-être je chipote, mais c'est des trucs qui fait que franchement c'est magnifique, et c'est là qu'on dit que vraiment on est sur voilà, c'est la nouvelle génération, il faut s'attarder. Personnellement, j'ai payé 400€ ma console, donc des petits trucs comme ça, ça fait plaisir à voir. Après, peut-être qu'il y en a, ils s'en foutent, ils préfèrent rusher les jeux, c'est pas mon cas. Et franchement, je prends énormément de plaisir, regardez-moi ces petits effets là qui sont en train de voler. Et je trouve ça vraiment 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 plaisant. Ça y est, les oiseaux, on y est enfin. Même si ma voix ne fait pas genre je suis super heureux tel un enfant ou quoi que ce soit, mais je peux vous dire que j'ai bien bien galéré pour l'avoir, cette console. Je vous expliquerai ça, je pense, prochainement. Vous allez rigoler. Welcome to all. Donc le gros point fort du gameplay, c'est bien sûr ce petit robot qui s'appelle Owl, donc qui nous met le gameplay avec le pad, qui met le pad bien en avant. Alors pas mal de gens critiquaient le pad, on dit que c'était pas bien, ou
Voilà, il y a plein de petits trucs. Personnellement, moi je vais pas vous mentir, au bout de 10 minutes, c'est vrai qu'au début c'est un petit peu chaud à gérer, mais dès que vous avez la prise en main, comme dans tous les jeux, ben après ça glisse tout seul, c'est vraiment facile. Moi personnellement, ça me gêne pas plus que ça. C'est vraiment simple, mais je vais pas vous dire, c'est vraiment simple et c'est très facile à utiliser. Donc je comprends pas qu'il y a plein de personnes qui se plaignent de ce pad, après Pulsar, chacun ici ses Shadow goûts. 1-8. Premier paquet localisé et récupéré. En route vers le deuxième paquet. Reçu 1-8. Tes munitions devraient se trouver dans les parages. Alors vous voyez que ça va vite, hein. Vous pouvez marcher, tourner, faire le truc en même temps, c'est juste un petit coup à prendre. Après quand vous avez le coup, comme dans tous les jeux, comme dans tous les nouveaux trucs, c'est easy, après ça passe crème. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi personnellement ça me gêne pas plus que ça. Bon, on commence un petit peu à être dans le... Ouais, ça commence à taper là. Alors, bien évidemment, le gameplay d'un coup va prendre une nouvelle tournure. Je vous apprends rien, je pense que s'il y a pas mal de gens qui ont déjà vu des vidéos sur ce jeu, vous connaissez un petit peu le concept. Ce robot peut faire 4 choses différentes, donc ils l'ont montré juste avant pendant que je parlais. D'ailleurs, je vais le rappeler à moi, il est ici ma gueule. Donc, Owl peut faire pas mal de choses comme attaquer, paralyser l'ennemi, vous mettre un bouclier ou faire mettre en mode tyrolienne. Donc, ce que je vais faire maintenant pour descendre. Munitions récupérées. Reçu 1-8. J'ai la zone en visu. Je vois une colonne de fumée. Message envoyé en accident. Rends-toi sur place et examine le site. J'y vais. 1-8, terminé. Ça tape dur. Ça tape vraiment, vraiment dur. Je regarde juste. À combien on est? On est à peu près à 33 minutes de vidéo. Je sais pas si je vais m'arrêter ici pour la première vidéo. Je sais, je vous ai pas habitué du tout à ça. Mais je pense que là, comme c'est du 1080p, je vais pas non plus abuser. J'ai pas envie de passer 4 heures sur un rendu. Surtout que j'essaye de pousser au maximum la qualité pour que voilà, vous en preniez plein les yeux. Même si le jeu en lui-même est déjà très 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 beau. Je vous ai pas parlé de l'arme, cette arme principale qui va nous accompagner tout au long de la série, donc une arme qu'on pourra pas changer. Par contre, elle a une fonctionnalité mitraillette et une autre fonctionnalité sniper qui est vraiment énorme. D'ailleurs, le bruit est juste incroyable, les effets sonores du jeu sont juste énormes. On en parlera, je pense, par la suite et je pense que je vais vous montrer pas mal de choses dessus. Ensuite, le petit flingue qui s'avère aussi pas mal du tout. J'ai aussi testé le multi pendant une semaine. J'ai pu tester pas mal de choses, pas mal de jeux. Je vous en parlerai. Je pense que je ferai une vidéo. J'aime beaucoup le multi même. Hein, je vais pas vous mentir. J'ai joué dessus et je trouvais ça très plaisant. C'est assez rigolo. Ouais, franchement, c'est plaisant. Moi, je trouve ça très bien. De toute façon, on en parlera, je pense. On va avoir le temps de parler de tout ça. Je pense faire pas mal de vidéos sur Resogun. Knack, par contre, je n'ai pas pris parce que c'est pas un jeu qui m'intéresse plus que ça. Peut-être du BF4 qui va arriver aussi. Du Killzone. Après, bien sûr, pas mal de jeux sur Steam qui arrivent petit à petit. Mais pour l'instant, on va un petit peu se consacrer à la console vu qu'elle vient de sortir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, n'oubliez pas de la partager. Ça fait vraiment plaisir, merci d'avoir attendu en tout cas tout ce temps. C'est vrai que à chaque fois j'aime bien sortir les vidéos dès que le jeu sort, dès que les consoles sortent et tout. Et j'ai voulu prendre vraiment mon temps parce que je savais que j'allais avoir une nouvelle intro by Hazare, Hazare Studio d'ailleurs, une grosse dédicace à toi mon frère, ça fait vraiment plaisir. Je vois qu'elle a énormément de succès. Moi franchement je suis juste aux anges quand je vois cette vidéo. Cette fois-là, j'ai pas le droit de dire ça, mais franchement ça fait vraiment vraiment plaisir. Grosse, grosse, grosse nouveauté sur la Noctu. Il y a trop de changements, mais je suis toujours là. On est toujours en mode walk machine. J'espère sortir 2-3 vidéos par jour. Vous me connaissez, donc ça m'a envoyé du lourd. Ça y est, maintenant je suis lancé. Tout est prêt, la carte d'acquisition, tout ça, tout ça, tout ça. Donc moi, je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé ce premier épisode sur Killzone Shadowfall. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite sur la Noctu. Allez, prenez soin de vous. Peace.